c'est dans notre chaîne Cornelia Découverte. Donc aujourd'hui, on est à Maison Lafitte. Donc on va découvrir cette ville. Allez, venez avec moi. Bienvenue. Donc ce qu'on voit, comme on sort de la gare, la première chose qu'on voit, c'est l'hôtel de ville. Restaurant Istanbul. Si vous avez faim. Ah, j'ai déjà faim. Office de tourisme, voilà. Donc quand même, il y a des choses à voir s'il y a l'office de tourisme ici. Voilà, encore une bibliothèque. Cake, sucré, salé, voilà. Ah, ça m'intéresse par contre. Oui, c'est très intéressant que cette cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque de rue. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est pour fêter le 40e anniversaire du jumelage avec la ville de Newmarket. Et la ville de Maison Lafitte l'a aménagée en bibliothèque de rue en 2018. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de livres en anglais dedans. Maintenant, je comprends. Allez, on y va. On est devant l'église de Saint-Nicolas. Jamais ouvert les châteaux. Voilà, si quelqu'un est fatigué, c'est super joli. J'étais obligée de vous montrer ça. Château est juste derrière. Il y a des poissons, je pense que vous les voyez, ils sont très loin. Ça y est, on est rentré, on est à l'intérieur. On a rien. On a la chance parce qu'aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, donc c'est gratuit. Ce château, c'est un modèle de classicisme à la française. Et on va regarder les chefs-d'œuvre de François Mansart, donc c'est un architecte français. Là, ce qu'on voit, c'est un table de billard. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que cette table n'a pas de trou. C'est pas juste une table pour manger. Du Vésuve, Jacques-Antoine Voler dit le chevalier Voler. Voilà, c'est ça, éruption du Vésuve, des volcans, un grand volcan. Donc c'est l'entrée principale du château qui repousse l'escalier sur les côtés. La particularité de cette ville, c'est que les avenues ici, donc le soir est géométrique. Les cinq losanges sont carrés. Et enfin, on sait pourquoi la ville s'appelle Maison Lafitte. Et Jacques Lafitte, qui est invité ici, dans ce château. Mais vu qu'il y avait des problèmes financiers, c'est pour ça qu'il a appelé Jacques Lafitte, il est obligé de vendre ce château. Ouais. Donc il a contribué beaucoup à sa ville. C'est pour ça que la ville prend officiellement son nom.
pour notre visite dans les châteaux. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Je vous conseille fortement les châteaux de Maisons-Laffitte. C'est la meilleure des choses que vous pouvez voir ici.